Bonjour à tous. Au début de l'année, je vous ai présenté des vœux très spéciaux puisque je vous parlais du surf. Je vous parlais du fait que nous allions sans doute surfer de nombreuses vagues énergétiques et qu'il fallait rester bien en équilibre pour pouvoir utiliser le surf sans tomber dans les vagues immenses que nous risquions de traverser. Bon, ben, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais finalement, 8 mois plus tard, je me dis que c'était pas tout à fait faux et que sur le coup, je devais être pas mal connectée. Et je voulais vous rappeler la notion d'équilibre dans le surf qui est évidemment primordiale. C'est-à-dire que quand... alors, je suis pas spécialiste de surf. Hein, s'il y en a parmi vous qui me regardent et qui sont spécialistes de ça, n'hésitez pas à partager. Mais ce que je voulais dire, c'était que... dans une immense vague, comme les surfeurs que je voyais quand j'étais ado à Te Apo à Tahiti, en fait, vous avez plein de façons de suivre la vague. C'est vous qui dirigez le surf. C'est vous qui maintenez l'équilibre que vous savez être le meilleur pour vous. Et ça, je pense que c'est hyper important de se le rappeler. Et ça n'empêche pas, quand on est sur une planche de surf, d'être bien ancré. Ancré, ça veut dire connecté à la terre, mais ça veut aussi dire être complètement présent dans son corps pour savoir ce qui est bon pour lui. Et ben, je vous invite à pratiquer ça au quotidien. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Et voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire.